Bon, voilà. pour un kayak ou au Billings ou n'importe quel paddle. Je suis en train de fabriquer une mallette autonome pour sondeur. La batterie lithium n'étant pas forcément étanche à 100%, elle ira dans la grosse mallette. Je vais fabriquer tout ce qui va bien. Le sondeur sera fixé dessus et la mallette, la batterie lithium à l'intérieur. Voilà. Batterie, mallette, étanche. Et voilà. Perçage pour fixation du module télécommande de l'Human Bird. Parce que comme il est à l'avant du kayak, j'ai une télécommande. Je peux pas y aller physiquement pour appuyer sur les touches, donc j'ai une télécommande. Donc fixation de ceci sur la valise. Suite, je trace pour les trous dessus, pour les starports. Parce que le sondeur va tenir avec un système de starport. Là, faut pas se louper. N'y a qu'une mallette. Trou. J'utilise un four, une mèche à bois, c'est pratique. Il y a la pointe au milieu. Ça glisse pas comme on pourrait faire sur le plastique, ça va bien. Là, bon diamètre des vis. 6 des starports. Mon perçage pour le presser tout, il faut que je perce à 13, 12 et demi. J'ai ça qui fait 12. Mon montage des starports. Vu qu'il y a un creux là, je mets une rondelle caoutchouc pour l'étanchéité. Puis ça évitera de déformer le couvercle. Bon voilà, les starports sont mis avec les rondelles caoutchouc sur le côté. Parce que l'eau va stagner là un peu, je veux pas qu'elle rentre. Là, j'ai fixé le capteur de la télécommande. Le presse et tout pour sortir le fil de l'alimentation. Et puis normalement, c'est presque fini. Je mettrai un troisième starport pour fixer la sonde. Parce que la sonde se fixe sur le kayak, sur le bord, avec un starport. Voilà. Et puis pour le transport, je veux que la sonde soit aussi fixée sur la mallette. Voilà. Voilà l'étrier du sondeur. Le fil d'alimentation. De la prise Human Bird, le connecteur qui regroupe toutes les prises, sonde d'alimentation et capteur. Là, je mets un autre support, un support starport. C'est pour fixer la sonde. Parce que la sonde se fixe sur le kayak, sur le paddle, avec un support starport. Et en mettant sur la valise comme ça me permettra de ranger la sonde, qu'elle tienne,
quand la sonde, la valise n'est pas sur le kayak. En fait, c'est pour ranger la sonde, quoi. Mais il n'y a plus qu'à souder la fiche pour la batterie, tenir ça. Voilà. Il faut raccorder ça. Voilà. Voilà. Le fil est raccordé. Et je suis en train de mettre la mousse. Ouais, mais voilà. Tout fonctionne nickel. Capteur. La sonde est accrochée là. Il suffit de la décrocher, dérouler. Et la télécommande qui est là. Nickel.